messieurs, Jacques et Normand. Bonsoir, Normand. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est très content de vous retrouver ici ce soir. Très content. Mais j'ai le trac, j'étais cœur. T'as le trac? J'espère. Je t'en spire, j'ai mal au cœur, mal au ventre. Si j'ai pas le trac, je suis en train de coucher. Normand, c'est assez, là. Veux-tu arrêter? C'est assez, ça suffit. Mon Dieu, t'es choqué, toi, là, là? Ah, il est choqué! T'es choqué! Oui, je suis choqué, je m'exprime. Non, mais c'est vrai, un gars aujourd'hui n'a pas le droit de montrer ses émotions sans que ça soit mal vu. Ah, ça, c'est vrai, par exemple. Et c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui, hein? Surtout si t'es une femme. Pas moi, par exemple. OK. Non, Marc, veux-tu bien, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais je te prends ou je te prends pas? Tu peux pas être aussi insignifiant que t'en as l'air. Ben, fuis-toi pas aux apparences! Pour être surpris, t'sais. On peut-tu revenir à moi, là? À l'homme. Oh, pardon. Alors, mesdames et messieurs, en me regardant, vous vous dites sûrement, tiens, voilà un homme qui ne doit pas monter ses émotions, ses faiblesses. Ses fesses. Vous vous dites sûrement, tiens, voilà un macho, un tombeur. Une graille. Eh bien, non, mesdames et messieurs. Non! Non. Tel que vous me voyez là, je suis un homme nouveau, un macho reconditionné. Ah, ben, t'es pas rendu un homme rose, toi, là? Non, un homme rose. Voyons donc, c'est dépassé, ça. Voyons donc. Dans les ateliers que j'ai suivis, on dit un mâle ouvert à son univers féminin intérieur. Un quoi? Un mâle ouvert à son univers féminin intérieur. M-O-U-F-I. Moufi! Ben, vaut mieux être un moufi, comme tu dis, qu'un homme brun. Un homme brun? Ouais, un mâle archaïque aux mœurs et à l'organe universellement triomphant. Répète-moi dans ça, là! Un mâle archaïque aux mœurs et à l'organe universellement triomphant. Ah! Un mammouth! Exactement. Comme ça, t'as suivi les ateliers. Ouais, monsieur. Tu m'avais pas dit ça, mon espèce de movie, toi, là. Ben, t'en as ri de moi. Moi, jamais d'avis. C'est quoi, ces ateliers-là, au juste? Bon, je sais pas, je devrais t'en parler. Ah oui, on est tous très intéressés, je suis convaincu, là. Ah ben, c'est des ateliers où les hommes explorent ce que c'est que d'être un homme à travers la danse, le théâtre, la gouache et la plasticine. Ça, Normand, ris donc, ça m'affecte pas du tout. Je suis un nouvel homme et mon homme a pas peur de faire rire de lui. Regarde, genre, moi aussi, j'essaye de trouver mon homme, là. C'est très drôle. Non, regarde, je suis un homme qui exprime la souffrance d'être un homme. On se fait toujours ramener à l'état primitif par un Normand d'Hertal. Tu m'insultes, toi, là? Ben, j'espère que oui. Non, mais, mesdames et messieurs, pis ça, c'est bon pour toi aussi, Normand. Écoute bien. Être un homme aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein, ça se travaille, ça. Faut chercher son homme en soi. Faut gosser son petit homme, finalement. Sinon, on risque tous de finir comme mon oncle Raymond pis ma tante Fernand. Genre, commence pas ça, je vais faire des cauchemars toute la semaine, là. Allez, je le dis. Mesdames et messieurs, il faut absolument apprendre à être un homme. Ouais. Ben, pas vous, mesdames, là, mais vous, messieurs, là. Sinon, on va tout finir comme mon oncle Raymond pis ma tante Fernande. Ouais. C'est épouvantable ce qui est arrivé à mon oncle Raymond pis ma tante Fernande. Ouais. Moi, j'aimerais mieux finir écrasé en dessous de 10 roues que de finir comme mon oncle Raymond pis ma tante Fernande. C'est inimaginable ce qui est arrivé à mon oncle Raymond pis ma tante Fernande. Jacques, aide-moi à trouver l'homme en moi. Oh, ben toi, tu seras pas capable. Mais je vais faire tout ce que tu me demandes. Tout ce que je te demande? Excepté manger du foie de veau. OK. OK, de bord. Prends ma main. Profites-en pas pour me manquer de respect. OK, sois sérieux, là. OK, c'est vas-y. Bon. OK. Un homme... une pomme... Pis quoi? Papi, comment tu te sens? Niaiseux. Au fond de toi. Ben niaiseux. Normand, sais-tu qu'est-ce que tu viens de faire, là? Un fou de moi.
Non, Matt, non, tu viens de faire un premier pas vers la libération du movie en toi. Et ça, ça veut dire que je suis rendu un movie de là, là? Non, Matt, disons que t'es sur le chemin de movie land. Movie land? Ouais. Est-ce que ton expérience t'a appris quelque chose? Oui, t'as les mains très douces. Norman, sois donc sérieux. Il faut que tu restes sur tes gardes. Sinon, tu risques de tomber dans le même piège que mon oncle Raymond pis ma tante Fernande. Jean, il faut pas que ça arrive, non, Jean. Non. Il faut sauver les hommes. Oui, Norman. OK, messieurs, mon fils de la terre, debout. Allez, messieurs, vers la salle, levez-vous, tous les hommes, debout, s'il vous plaît. Allez-y, ils sont levés à tous les soirs, vous allez vous lever, vous êtes avec, ma mère. Allez-y, allez-y, monsieur. Allez-moi, mesdames. Oh, c'est bon. Tous les hommes, aidez-moi, mesdames. Oh, que c'est bon. Allez, messieurs. Monsieur, on fait l'accolade à son voisin! Hey! Ah! Mélangez les rangées, les bagages! Ah! Oui, asseyez-vous! Asseyez-vous! Ah! C'était la moufie-colade! Ah, c'est bon, moi, si je me retenais pas, là, je me broierais une set de bottes, là! Laisse-toi aller, Normand, laisse-toi aller, un homme a le droit de pleurer! Ah! 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 Ça fait trop longtemps que j'ai pas bu d'eau, je suis pas capable. Normalement, un jour, on va pouvoir faire comme en France, promener sa rue, rencontrer une autre chum, puis l'embrasser, Norm. Mesdames, ce n'est pas ce que vous croyez, hein? OK, tous les gars dans la salle, on donne un bec à son voisin! Faites pas ça! Mais quoi? Envoyez! Ben, messieurs, non! Oh, égoïste! OK, d'abord, tous les gars de la salle, venez donner un bec à Jean, quand même! Non, mais tu comprends pas! Je comprends très bien! Attends-moi mon bec! C'est à moi ce bec-là, tu le mérites pas! Tu dis n'importe quoi! Je sais, mais ça me fait rien! Tu me déçois, Jacques, moi qui croyais en toi, en nous, en l'homme! Oh, le movie! Bon, OK, correct. OK, je suis prêt à admettre que j'ai encore un bout de chemin à faire. Ben, peut-être. Il me semble que ça n'a pas toujours été si compliqué que ça, être un homme. Ben, moi, juste avant de commencer le show, je trouvais ça moins compliqué, hein? Ben, on dirait qu'aujourd'hui, les hommes, les gars, ont plus les mots pour exprimer leur... on dirait que les hommes, ils ont pas les mots pour dire... pour essayer de... On peut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaie, on veut que ça sorte. Ça marche pas. Et que tu t'exprimes donc bien!